Bonjour, Manuel Tardis de chez Mikan. Laissez-moi vous présenter notre dernière maison, la retraite à Karuizawa. Alors c'est assez simple, c'est la montagne et la maison, la retraite dans la montagne. Et toi? Celui-ci est grand, plus grand en fait. La mille des trois maisons, très simple. Bois, les fenêtres, mur, le bois, les fenêtres, et le bois. Et ensuite, les piloteries pour tenir la maison. Elle est grande. Et la pente. Voilà. La chance. Une histoire de maison, c'est une histoire de personne, une histoire de lieu. Alors d'abord le lieu. Karuizawa, c'est à environ 250 mètres de Tokyo, et ces gens-là ont acheté un terrain, une retraite à la montagne, à environ 5 km de la petite ville, pour être très calme, en face du mont Asama. Le terrain, un grand terrain de 6000 m², sur une pente très forte, entre trois montagnes, ou trois collines, et donc très isolé. C'est une pièce de montagne en fait, un morceau de montagne, et le terrain se trouve en face du mont Asama, le volcan, et la vue est bien sûr préservée. C'est en fait donc une retraite à la montagne, ou plutôt une retraite sous le volcan, là, une maison sous le volcan. Alors les principes de construction de la maison. Nous avons joué de la topographie et utilisé une méthode traditionnelle de construction, celle qu'on utilisait dans les sanctuaires de montagne. On a posé la maison sur la pente, plutôt que de reconstruire et de refaire la pente. Allez, simplement poser très légèrement, par le fait de ces pilotis, sur la montagne. Ensuite, la maison était très grande et nous avons préféré la fracturer en trois maisons ou trois pavillons. Chacun de ces pavillons a son identité et il propose des panoramas et des relations différentes avec la montagne et le paysage. Ensuite, autre principe, autre idée, la maison fonctionne un petit peu comme une sorte de hanare ou de hameau, d'écart dans la montagne. Ces trois maisons en une forment comme une sorte de petite communauté montagnarde. Unifié par ses toits et les matériaux de l'extérieur sont tout en bois noir. Une dernière chose, quand on regarde les coupes, en fait, chaque maison, chaque partie de la maison offre une scénographie complètement différente des autres, donc chaque entité regarde vers le paysage de manière différente. Voilà, ensuite quelques photos, l'arrivée devant l'écart, et puis ensuite l'arrivée devant le Kakezukuri, la maison en suspension, et puis ensuite l'intérieur, le kiloma, la grande salle sous son plafond face à la montagne, et ensuite pour profiter de sa retraite, un bain extérieur, un rotenburo, face aux arbres, face à la forêt, face à la montagne, face au volcan.